qu'il a dit. Hé, oh. Hey, regarde, elle n'a pas fermé le casier. Okay. Découvrons ce qu'il y a là-dedans. Je pense que ce sont des coffres-forts. Wow. Il doit y avoir quelque chose de très précieux à l'intérieur. J'y tends un coup d'œil. Non, stop! Où sommes-nous? On dirait qu'elle est en train de relever le défi. Je dois ouvrir mon coffre-fort en première. Il sourit. Oh, wow! Une pile de pop-it couleur vive. C'est génial. C'est génial. Ouais. C'est le bon moment pour jouer et les calmer un peu. C'est bizarre. Pourquoi c'est si bon? Et ça sent si bon? Ah oui, c'est de la marmelade. Il y en a tellement. Je peux les manger tous en même temps. C'est vraiment difficile de s'arrêter. C'est tellement délicieux. Les pop-its à la marmelade. Je pense qu'elle en a laissé un dernier après tout. Probablement juste pour nous. Pour que nous puissions essayer. Et arrête, c'est à moi. Ah, ça fait mal. Il est grand temps de découvrir ce qui m'attend. Je pense que c'est quelque chose de très doux. C'est des vers vivants. Je ne vais pas les manger. Non, je veux pas. C'est en train de ramper. T'inquiète pas pour ça. Ils sont tous partis. Partis? Mais c'est tout sur moi. Aidez-moi. Ils essayent de me manger. Ah, je pense que l'aspirateur va m'aider. Il mangera tous les vers en rien de temps. Ah, mais il ressemble à des moustaches. Ah, ça a l'air ridicule. Je vais l'enlever. Oh, qu'est-ce qui se passe avec tes lèvres? Non, mais il faut que je mange le verre, là. Voilà. Oui, c'est fait. Les lèvres sont tout à fait prêtes aussi. Tu te moques de moi, non? Pourquoi ne goûte pas les beaux verres? Prends ça. Ils sont à moi. Qu'est-ce que je dois faire? C'est horrible. Allez, ne crie pas. Regarde juste ce qu'il y a dans ton coffre. Et voilà, c'est une... potion. J'espère que je ne vais pas transformer en grenouille ou en verre. C'est bizarre, je ne ressens rien du tout jusqu'à présent. C'est la même chose qu'avant. C'est bizarre. Oh non, quelque chose est en train de m'arriver. Les filles, à l'aide. Je pense qu'une potion de rétrécissement. C'est de la taille de ta main aussi. Eh bien, je vais te remonter. Regarde comme t'es mignonne. Hey! Oh, tellement petite. Ah, toi, tu mords? Ça fait vraiment mal. Bon, je vais quand même m'occuper de toi. Tu vas te battre contre un vrai serpent. Tu penses que j'ai peur d'elle? Je peux démolir cette chose à un battement de cœur. Je me demande qui va gagner. Je sais pas encore, mais je pense que le verre est plus fort. Le verre? Je l'ai déjà battu, prends ça. Tiens. Oh oui, il a vraiment gagné. Qu'est-ce que vous avez pensé? C'était un combat très cool. Vous avez vu comment je suis forte? J'ai le bonbon cette fois-ci, alors je vais d'abord ouvrir mon coffre-fort. Oh, c'est ça. C'est mon cocktail de tous les mars. Je les adore. Qu'est-ce que j'attends? Il est temps de boire. C'est bizarre. Pourquoi est-ce que ça ne coule pas? Bouteille stupide. Ouais. Comment tu peux ne pas comprendre? Écoute, laisse-moi te montrer comment boire. Quoi? Allez. Ouais. Je plaisante. Ah ouais? Je n'ai pas de donner à boire. C'est à moi. Je peux le voir sans toi. T'es si radite. Je vais te donner une leçon. Ça t'apprendra à ne pas partager avec tes amis. Qu'est-ce que t'as fait? Maintenant, je suis toute mouillée.
Oh oh. T'aurais pu boire toute la bouteille. Je croyais que nous étions amis. Ouais, arrête de pleurnicher et demande à Diane d'ouvrir son coffre. Quoi? Poisson? Oh non, c'est une bonne chose qu'elle ne soit pas à nous. Mais tu dois quand même manger. Ce sont les règles. Je n'ai pas besoin que tu le saches. Faisons un essai. C'est trop important. Non, je ne peux pas faire ça. Ce n'est pas bon, je ne mangerai pas. Comment ça? Je te le dis, ce sont les règles. Alors vas-y, mange. Très bien. Donc faire ça aussi vite que possible. Voilà. Oh non, pourquoi j'ai besoin d'un squelette? Arrête de rire. Allez, Marie, ouvre ton coffre. J'adorerais. Qu'est-ce que c'est que ça? Une sorte de Skittles, je veux dire, je les aime. Pourquoi si peu? Ça a un goût normal. C'est juste un bon bonbon. Dans l'ensemble, j'en suis heureuse. Regardez, ce bonbon au fond de l'effet maintenant. Oui, c'est trop cool. Et c'est le cas. Tu me laisseras en essayer? Ouais. Cool. Regardez, maintenant je suis aussi un bonbon. Diana, t'en veux? Come on! Non, merci. Je mangerai pas tous tes boutons. Coucou, coucou. Une fois de plus, je serai la première à ouvrir le coffre-fort. Je pense que nous sommes tous d'accord. C'est ce que j'appelle un cadeau. On ne peut jamais avoir trop d'iPhone. Et quelle belle photo, Tora, sur elle. Regarde ça. J'en veux aussi. Laisse-moi avoir une photo. Va-t'en. Et ne gâche pas tout pour moi. Prends ça, c'est à moi. Je le veux. Les filles, arrêtez de vous battre. Donnez à moi. Trouvez à qui appartient ce téléphone et je vais jouer avec. Comment tu oses? Donne-le-moi. C'est à moi. Qu'est-ce que vous avez fait? Mon nouveau téléphone? Non. Oups, je ne pense pas qu'il soit dans le meilleur état maintenant. Que cela est ta faute. Qu'est-ce que vous avez fait? Je n'avais plus d'iPhone. Mais c'est quelque chose de cassé. Pendant que tu supportes ça, je vais ouvrir mon coffre. C'est bizarre, pourquoi c'est vide? Voyons ce qu'il y a là-dedans. Oh non! Pas la grenouille! J'ai peur d'elle. Aidez-moi. Je ne veux pas cet animal. Je ne veux pas cet animal. Vas-y, saute d'ici. Qu'est-ce que j'y gagne? Non, mais c'est à toi et je dois le manger. Non, pas du tout. Et si c'était un prince charmant? Alors je serai une vraie princesse. Il faudra vérifier ça. Ok. What's the matter with you? Alors, le prince? Je pense pas que c'est ça. Bon, je pense que c'est à moi de vérifier. Oh, wow! Une sorte de chapeau. Qu'est-ce que je vais faire? Je sais pas. Mais qu'est-ce que je dois faire avec une grenouille? Je déteste te dire ça, mais je pense que ta grenouille s'est maintenant transformée en pierre. En pierre? Un rocher? Bizarre. Mais pourquoi c'est marron? Ah, c'est vrai! C'est du chocolat! Ce n'est pas seulement du chocolat, c'est du chocolat délicieux. Écoute, ton chapeau peut faire ça à mon iPhone? Découvrons-le. Ça a marché! C'est trop cool! Maintenant, j'ai un iPhone en chocolat. En plus, c'est délicieux. Alors, le chapeau n'est donc pas inutile. Mais est-ce que je peux le porter? Je pense que c'est bon. Oh, wow! Maintenant, toi et moi avons maintenant chocolat Marie. Vas-y, on mange ses doigts. Non, on ne va pas se moquer d'elle. On va juste enlever le chapeau. Et ensuite, elle sera comme elle a toujours été. Vas-y, essayons.
Oh, merci. Vous m'avez sauvé. Je pensais que j'allais être un chocolat pour toujours. Délicieuse friandise matin cette fois-ci. J'espère qu'il y a quelque chose de super délicieux. Oh, Nutella. Je l'adore. Je mangeais le pot entier. Waouh. Oh, désolée, Clarissa. Le couvercle voulait s'asseoir directement sur ta tête. Ça ne veut pas dire qu'elle doit me frapper en visage maintenant. Allez, ne sois pas offensée. Je suis juste très stupéfiante par ces délices à venir. Je suis sûre que le Nutella sera délicieux, comme toujours. J'avais raison. Oui, mais c'est à moi. C'est ma Nutella. Et pourtant, il reste une goutte sur le bec. Cool. Sur ton nez. Et moi, je suis toute couverte de Nutella. Oui, on peut voir ça. T'es à fond dedans. Je pense que nous devons aller plus loin pour trouver maintenant. Oh non, maman, c'est coincé. What? Ah ah, gourmande, il faut manger moins. Je regrette que tu n'aies pas ri et tu n'aies pas aidé. Vas-y, Clarissa, aide-moi. J'essaye. Vas-y, on peut le faire. Vas-y, tire. Oh, cool. Nous avons beaucoup de Nutella maintenant. Dépêchons-nous et mangeons tout. Je vais bien. T'inquiète pas pour moi, je suis en vie. What? Vous avez tout mangé? Comment vous... Oh, il y a encore du chocolat. Tu peux le manger directement dans ta main. What? Come on! Ok. Pendant que tu manges, je vais découvrir ce qui m'attend. Quelque chose qui pue. Oh non, pas de fromage. Je t'en supplie. Malheureusement, c'est exactement ce que c'est. Je ne veux pas le manger. S'il te plaît, aie pitié. Il est si méchant, n'est-ce pas? Moins de mots, plus d'action. Allez, prends une bouchée. Horrible. Oui, ça a l'air tout simplement dégoûtant. C'est le cas. Je ne peux pas l'avaler. C'est trop dégoûtant. Bien que... Ok. C'est parti. Oulala. Cool. Come on! Oui, cool. Maintenant, découvrons ce qui m'attend. Je pense que nous devrions y aller. Commençons par quelque chose de facile. Faites-moi des frites. Facile? Ouais. Moi, je veux juste apprendre à cuisiner. Non, que le monde. Plus je les prends de terre, je serais mieux de faire de l'huile. Non, non, jamais trop. Alors, l'huile est presque bouillante, ce qui signifie qu'il est temps de verser les tranches de frites cuites. Non! Stop! Oh, oh non! C'est chaud, aidez-moi! Qu'est-ce que tu fais? T'as presque réussi à nous enflammer en faisant bouillir de l'huile. L'huile doit être versée avec précaution. Ensuite, les frites gagnent uniformément. Ouais. Ok. Rien de difficile. Les frites sont prêtes. Il en reste un peu de sauce à ajouter. Non, mais des frites, je pense que ce sont juste des pommes de terre. Moi, je vais faire des vraies frites. Et ce n'est pas tout. Je vais faire des frites ordinaires. Vraies délices. J'ai pas besoin de bacon, de sauce. Et du romarin. Quelle odeur! Bingo. C'est vrai! J'ai pas encore tout perdu. Pourquoi pas utiliser une pomme de terre en marmelade? Ils disent que si tu le trempes dans le sirop à la fraise, ça sera encore meilleur. Waouh! Je vais commencer à essayer les délices avec les pommes de terre du milieu. Mamie, c'est vraiment cool. Non, je supporte pas le romarin. Je suis désolée, madame le chef, mais j'ai pas du tout aimé. Et moi, j'ai quand même apprécié l'idée des pommes de terre à la marmelade. Je sais pas qui choisir, peut-être ça va être la mamie. Oh ouais! Cette fois-ci, la tâche est plus difficile. Tu dois faire des sushis. Come on! Ouais!
Ça va être cool. What? Non, mais ce chien, ouais, dans le village, on n'a aucune idée ce que c'est le sushi. Non, mais je vais faire des sushis. Ouais. Les sushis, c'est un mur. Le sushi est fait avec du bonbon. Ça, c'est autre chose. Et il y aura de la crème fouettée à l'intérieur et des yeux gelés, ensuite des oursons en marmelade. Cool, génial. Et bien sûr, il faut pas oublier la sauce au chocolat. C'est intéressant ça. Moi aussi, j'ai une idée intéressante. Ouais, je vais juste répéter d'après le chef, mais après, il n'y a rien de difficile. Rien de difficile? Voyons à quel point tes sushis sont dégoûtants. Je sais comment ajouter de la sauce. Comment on appelle ça? Un avocat? Ouais. Non, mais vous arrivez vraiment pas. Non, mais regardez. Ça, ce sont les sushis parfaits. Quel cauchemar! Je pensais pas que votre sushis sont si dégoûtants. Mais bon, je vais entourer une saumon. Je mets en mettre beaucoup. Il faut pas oublier la sauce soja. Du poisson, vous dites? Bon, je vais faire comme vous dites. C'est fait. J'espère que ça va être bon. Waouh! Oh non! Non, mais c'est vraiment mieux. Bingo! Mais je sais ce qu'il faut faire. Pourquoi ne pas faire des sushis au concombre? C'est à la fois délicieux et sain. Oh oui! Et dégoûtant. Pourquoi ça? Le concombre est un très parfait pour les sushis. Tout ce qui t'a à faire, c'est d'y mettre beaucoup de riz. C'est pas du tout appétissant. Attends, ce n'est pas tout du tout. Regardez quelle beauté. C'est quoi ça? Non, mais je n'ai jamais vu des sushis au concombre. Non, je vais même pas manger ça. Oui, des sushis sucrés, ça a l'air génial. Oh, wow! Cool! Mais pas du tout nourrissant. Il reste le dernier candidat. Oh, voilà, les vrais sushis. J'adore. Oui, vous avez gagné, madame la chef. Oui, c'était évident. J'espère que tout le monde peut faire une gaufre. J'ai entendu dire qu'il faut commencer par la pâte. Je pense que j'aurai pas de problème avec ça. Okay. Je vais ajouter un peu de farine, du sucre. Ouais, je mélange. Cool. Et où est la farine? Oh, oh. Je vois qu'il y a quelque chose dans l'odeur. Waouh, tant pis pour la gaufre. Non, continuons. Oh, waouh. J'ai versé beaucoup, mais je pense que c'est ce qu'il faut faire. Mais je vais tout bien mélanger. Maintenant, je vais mettre tout ça ici. Peut-être le gaufre le plus bon du monde. Oh oui, la pâte s'avère très savoureuse. Et surtout, il n'y a pas de cookies d'œufs. J'espère que la gaufre sera vraiment bonne. Tout le monde a ajouté du sucre, mais je sais que le sucre est mauvais pour toi. Alors à la place, je vais ajouter une aubergine entière bien et mûre. Je vais en faire la pâte. Ouais, regardez ce que je fais. C'est fait. Maintenant, j'ajoute des œufs. Et bien sûr, de la farine. Je mélange le tout. Et j'ajoute du beurre.
C'est dégoûtant, ça. Mais cette pâte est tellement plus saine que la tienne. Vous pouvez maintenant te mettre dans le gaufrier. Ouais. Et maintenant, regardez ce que je fais. Ouais. C'est une bonne idée. Oups. Non, mais regardez, ma gaufre, ma pauvre gaufre, ça fait chaud. C'est bon. Bingo. Oh. Et je vais tout cacher avec la crème fouettée. Et la fraise. Alors, c'est bon, n'est-ce pas? Et moi, je vais mettre du sirop d'érable. Un peu de beurre, pourquoi pas? Oh oui, oui. Oh, c'est génial ça. Et moi, je vais mettre des trucs comme ça, les verres. Oh, j'ai hâte de goûter tout ça. Je vais commencer par cette gaufre. Oh non, en fait c'est trop, je vais pas manger ça. Et ça, qu'est-ce que c'est que ça? Oh non! Ces gaufres saines, je les déteste. Et ça, c'est quelque chose de bon? Oh oui! Oui, c'est ce que je voulais. Mamie, t'as gagné! Oui! Je suis tellement contente. Je veux avoir une bonne tasse de café après. D'accord. Ok. Oui. Facile. Je viens d'avoir une idée brillante dans ma tête. Le café chaud et un nuage. Alors le café froid, c'est-à-dire frappuccino, est vraiment stylé. Faut mettre beaucoup de glaçons dans une grande tasse. Et ensuite, faut ajouter un délicieux sirop de chocolat. Et bien sûr, faut pas oublier le café lui-même. En fait, c'est le café Starbucks. Et de plus, un milkshake ou chocolat Twix ne serait certainement pas trop. Je vais friser un peu et utiliser à la place du lait. Je pense que je vais préparer un café classique. Je sais que ma petite fille l'aime bien. Bon, je pense que c'est fait. Je vais ajouter de la crème fouettée, des bonbons et les chocolats à la fin. Biscuits Oreo. Et un Twix. Et bien sûr, faut pas oublier la paille. Oh, n'importe quoi. Bon, c'est à mon tour de faire du café. J'utiliserai une balance pour mesurer la bonne quantité d'eau. De crème de café. Ok. Maintenant, je vais faire le café. Regardez et apprenez. Et maintenant, je verse de l'eau bouillante. Ouais, il faut faire comme ça pour faire du café. Parfait. Maintenant, je vais le mettre dans la tasse. Et le lait, je vais le fouetter à la main. Oui, regardez, en plus, c'est beau. J'ai commencé par le café du milieu. Mamie, je déteste ce café. Je l'aime pas du tout. Oh. Ok. Ça, ce café a l'air cool. C'est bon, mais c'est un peu amer. Non. Il reste la dernière tasse. Oh oui, j'adore. Mon frère, t'as gagné. Ouais, enfin. Oh. Où est-ce que nous avons atterri? Je pense que c'est un nouveau challenge. Ok. Comme c'est excitant, je peux commencer s'il vous plaît? Je suis sûre qu'il y a quelque chose de délicieux dans ce coffre. Un peu à côté de la plaque, mais c'est plutôt cool aussi. Il y a une montagne de pop-it. C'est un peu bizarre, mais c'est un trop bon. Wow.
C'est comestible. Mais là, t'as perdu la tête. Tu ne peux pas manger du caoutchouc. Vous ne comprenez rien, ce n'est pas du caoutchouc, c'est de la marmelade, c'est délicieux. Je veux tout manger d'un coup. Ça tient à peine dans ma bouche, mais je peux le supporter. Quelle chance que t'as. Nous sommes jaloux. Ça c'est sûr, ça ne me dérangerait pas de tenir le coup. C'était délicieux, mais j'étais un peu pleine. Oh, tu veux pas nous donner le dernier poupite alors? Oui, je propose que nous prenions nous-mêmes et que nous ne demandions rien à personne. En fait, je peux tout voir. Vous n'avez pas besoin de toucher à mon poupit. Je peux très bien m'en occuper toute seule. D'accord, d'accord, je vais m'occuper de mon coffre-fort. Qu'est-ce que c'est que ça? Je n'en crois pas mes yeux. Je vois que ça bouge. Oh non, c'est des vers vivants. Quel cauchemar. Je ne devrais pas être à ta place, Julie. Éloignez ça de moi. Je ne pense que tes vers ont été directement endormis là. Qu'est-ce que t'as fait, Julie? Débarrasse-toi de tout ça. Calmez-vous, nous avons juste besoin d'un esprit. Il a un verre juste sous son nez. Ce n'est pas drôle du tout, Alex. Aidez-moi. Mais là, t'inquiète pas, je vais ranger tout ça. Noir vers l'aspirateur et il juste les lèvres. C'était très drôle. Oh, bien ce qui est devenu Mila. Les lèvres ressemblent à des bouteilles gonflées. Tout ça, c'est de ta faute. C'est la faute d'Alex. N'arrêtez pas de rire et de me distraire. Il est temps de lui donner le son. Qu'est-ce que tu as fait, Julie? J'ai des verres partout dans la bouche. Attends, on peut rien dire. En fait, t'as complètement oublié ton propre poids. Il y a une sorte de peau. Je n'ai aucune idée ce que c'est. Peut-être il faut que je goûte. Alors? Il semble que quelque chose m'arrive, mais je comprends pas ce que c'est. Là, regarde. Avec des lèvres minuscules. Exactement. Ça va bien. Il est vraiment mignon. Alex, tiens-toi bien. Je vais te faire monter sur la table. Oh, merci, Mila, mais t'aurais pu être un peu plus prudente. Oh, t'aimes tellement, Alex. Restez toujours comme ça. Tant que ça me dérange pas. Wow, profite. J'ai enfin la possibilité de l'essayer aussi de sauter dessus. Génial, c'est encore mieux qu'en trampoline. Qu'est-ce que tu fais, Alex? Je profite de la vie. C'est vraiment mignon après tout. Ce baiser à rien que je t'envoie. C'est ça. Arrête de sauter pour tout. Je suis déjà fatiguée. On joue à quoi là? De quoi? Je ne vais pas faire de bêtises. Tu n'as pas de mordre du tout. Tu aurais pu simplement dire non. Mais c'était tellement amusant, n'est-ce pas? Amusant, tu dis? Je vais te montrer ce qui est vraiment amusant. Vas-y. Qu'est-ce que tu fais, Julie? Elle veut que je batte le verre. C'est aussi simple que cela. Je vais la battre avec un seul gauche. Jusqu'à présent, ça marche, c'est bien. C'est pas grave. J'ai encore une chance de gagner. Bien joué, Alex. Tu gagnes. Dans ça. Stupide de verre. Il ne reste plus grand-chose. Et je gagne. Ça, c'est le pouvoir. Cool. Oui, je suis surprise. Eh bien, je pense qu'il est temps de revenir à ce stade. Wow. On est devenu commandant. Ouais, et je suis heureux. Je peux commencer cette fois-ci. Oh, ça ne nous dérange pas. Vous voyez ça? J'ai un tout nouvel iPhone. C'est trop cool. Bon, ce n'est pas une raison de te taquiner. Oh, vous devriez être jaloux de moi. On n'aurait jamais un téléphone comme celui-ci. Alex, reste hors du cadre. Prends-le-moi, je vais prendre ton téléphone. Oh, on dirait que ça a duré un moment. Rendez-le-moi, c'est assez. Qu'est-ce que tu fais, Mila? Rends le téléphone. Ça me dérange pas, je joue. En fait, j'en ai envie aussi. Et alors, je m'en fiche. Qu'est-ce que vous avez fait? J'ai fait tomber mon téléphone. C'est sorti de façon inconfortable. Qu'est-ce qu'il n'y a pas chez lui, Alex? Dis-moi. Il voit mieux que je ne le vois pas. Oh, ça, il s'est écrasé. Désolée, Julie, on ne voulait pas. On est
discutons pas. Okay. Mais voyons plutôt ce qu'il y a dans mon coffre. Je crois que j'entends un son étrange. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Je n'arrive pas à le faire sortir. C'est comme si elle m'échappait. Je n'en crois pas mes yeux. C'est une grenouille. T'es sérieuse? Ce n'est pas possible. Oh, que quelqu'un m'enlève de ma tête. Désolé, mais je n'y toucherai pas. Je pense que je me suis débarrassée d'elle. Non, elle vient de me sauter dessus. C'est hilarant. C'est tellement bleu. Emmenez-la. Donc, qu'est-ce que t'as fait, Julie? J'ai failli l'avaler. Oh. Je pense que nous avons eu si peur d'elle pour rien. Regardez comme elle est mignonne. Et si c'était un prince enchanté? Je vais essayer d'embrasser une grenouille pour rompre le charme. Est-ce que ça marche? Elle a embrassé la grenouille. Et alors? Je devais vérifier. Je suis censée vérifier ce qu'il y a dans mon coffre. What? Il y a une sorte de cylindre là-dedans. Je sais pas quoi en faire. Essaie de l'enfiler. Ouais, si ça te va. Attention, Mila, ta grenouille a encore disparu. Waouh! Wow. Regarde ce qu'elle est devenue. Maintenant, on dirait que c'est fait de chocolat. Oh. Eh bien, ça y ressemble. Waouh, c'est définitivement du chocolat. Délicieux. Oh. J'ai compris le fonctionnement de ton cylindre. Et je sais déjà ce que je vais mettre dedans. Oh. Qu'est-ce que tu fais, Julie? Déjà fait. J'ai transformé mon téléphone en téléphone en chocolat. Excellente idée. C'est tellement bon. Bon, j'ai besoin de tourner quelque chose aussi. Mais je n'ai rien. Regarde, Julie. Elle est devenue au chocolat. Qu'est-ce que tu fais, Mila? Pourquoi t'as besoin de son doigt? Stop, ne mange pas. T'as raison, je n'ai pas pensé à ça, en quelque sorte. Je sais comment faire venir Alex, il suffit d'enlever le cylindre. Bon, merci. C'est mon tour d'être le premier. Je pense que j'ai eu les bonnes choses cette fois-ci. C'est un milkshake au chocolat. Ça a l'air génial. Tu veux pas partager? Il faut au moins l'ouvrir d'abord. C'est pas du tout indépendant. Il faut juste tourner là. Merci. Ok. Maintenant, tu es bien partagé avec moi. Oh. Bien sûr que non. Comment t'as pu penser à telle chose? Au fait, c'est tellement délicieux. Ah bon, t'es bien. T'es bien, allez, sans un. Qu'est-ce que tu fais, Julie? Tu vas renverser tout mon cocktail. Et si tu partages, et t'en resteras encore. Ouais, bien sûr. Oh, ok. C'est le tour, Mila. Je n'ai pas l'ouvrir. Il y a quelque chose de pas très appétissant dedans. Oh non, le poisson pue, hein. Mais qu'est-ce que j'ai censé faire avec ça? Je ne peux pas mettre ça dans ma bouche. Dépêche-toi de manger ou sinon c'est pas bien. Mais je veux pas. Bon, juste pour vous, je suis prête. Oh, c'est dégoûtant, dégueulasse. Je ne mangerai plus jamais de poisson de ma vie. Il t'en reste encore. Vas-y, termine. Très bien, très bien. Je pense que je préférerais manger le poisson entier. Incroyable, comment c'est possible? Je ne pensais pas que Mila était capable de ça. Et attention, tu m'as jeté une épine dorsale de poisson au visage. Mais c'est quand même drôle. Oh. Pas vraiment, ouvre ton coffre. C'est un bonbon. Et qu'est-ce que je suis censée faire avec ça? Je sais pas, ce que je vais juste le manger, c'est tout. C'est bon, mais c'est très peu. Juste non. C'est vraiment bizarre. Peut-être qu'on ne devrait pas chercher d'explication. Non, mais t'as des bonbons partout sur le visage. Et les mains aussi. Oh mon Dieu. Les bonbons étaient magiques après tout. Regardez, il y a de nouveaux bonbons qui prennent la place des anciens. Ok. Je vais essayer aussi. Oh, génial, c'était un bon. Regardez, maintenant je suis aussi couvert de bonbons. Génial. Je l'aime tellement. Tu veux, Mila? Non, merci. Ils sont tellement bizarres. Ouais, de nouveau, coffre-fort. Je suis prête à ouvrir le mien. Waouh, il y a un pot de Nutella. C'est vrai. Comme c'est grand. Super. Fais attention, tu jettes les ordures, Julie. Désolée. Oh non, c'est tout ça à cause du Nutella. Regardez,
C'est tellement chocolaté. Oui, j'adore ça, c'est un vrai régal. J'en veux aussi, super. Oui, j'en ai eu un peu. Ne t'approche plus jamais de mon Nutella. Je ne le donnerai à personne. Joli. Non, regarde. Et alors? On dirait que maman est coincée dans le pot. On dirait que quelqu'un a besoin d'une aide urgente. Pire Alex, je ne vais pas me promener comme ça toute ma vie. Oh, mais rien de ce soir. Au secours. Je tombe. Mais tu m'as dit de tirer, n'est-ce pas? Wow, j'ai un pot de Nutella maintenant. Si tu veux te demander comment je vais, ça va. Honnêtement, nous ne voulions pas demander. Pourquoi vous avez pris mon Nutella? Oh, c'est tellement drôle qu'il en reste encore. Elle est en voir ce qu'il y a dans mon coffre. Oh, prenez mon masque à gaz, c'est du fromage de voiture. Pas besoin de masque à gaz si vous le mangez tout de suite. Je pense que Mila a besoin de notre aide amicale. En fait, non, je n'ai pas demandé d'aide. Je pense que ça a marché. T'as presque tout mangé. Comment c'est possible, ça? Je vais vomir. Je peux à peine tenir le coup. C'est une bonne chose que tout soit bien rangé. Il ne reste plus que mon coffre-fort mystérieux. Je pense qu'il y a un trou noir à l'intérieur.